Pour nous, les Anishinabés, le monde tire son origine d'une vilaine querelle entre les animaux qui habitaient la terre avant le grand déluge. Pendant un festin, Madame Couleuvre avala accidentellement Souris Grise, soulevant ainsi la colère des animaux qui se battirent alors entre eux. Furieux, le créateur de toutes choses, Kijay Manito, annonça Mistawabos qu'il détruira le monde pour en faire un nouveau. Kijay Manito dit à Mistawabos qu'il lui laissait une lune pour choisir les animaux qu'il voulait sauver. Mistawabos réunit presque tous les animaux dans une barque faite d'écorce de bouleau. Une pluie torrentielle se mit à tomber sur le monde et le monde fut inondé. Lorsque la pluie cessa, Ramusqué plongea au fond des eaux pour aller chercher un peu de terre qui servait à faire pousser des plantes, des herbes et des arbres. Après être resté sous l'eau pendant 3 soleils, Ramusqué se remonta à la surface avec un seul grain de sable. Mistawabos planta ce grain de sable au milieu de la barque et un monde minuscule grandit jusqu'à devenir le monde dans lequel tous vivent et où tu vis. Mistawabos récupéra le corps des animaux noyés dans le déluge et demanda à Oiseau Tonnerre de frapper d'une décharge toutes ces créatures mortes. C'est ainsi que naquit l'espèce humaine qui, malheureusement, retient de ses origines animales sa capacité à être vengeresse et violente.